Donc, salut tout le monde et bienvenue pour la suite de Avatar, le dernier maître de l'air, donc le chapitre 6, partie 2. Donc, on va rentrer dans les pages okay, là où on je y vous ai va. laissé. Du coup, dans la précédente partie. Alors, si vous voulez, vous pouvez passer par là, mais c'est un cul-de-sac. Ça sert à rien. Aïe! Maîtrise de l'air. Mission accomplie pour l'Avatar. Hop, maintenant on peut ouvrir. D'abord on va passer par là. Ça, ça fait mal. On perd un peu ce qui traîne, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui traînent ici. Les animaux qui ont pris leurs aises. Hop. Du coup. Ah oui, ici il y a le métal pur. Donc hop. Donc ça pour la quête, ce sera fait. Donc on peut aussi passer par là. C'est un peu au choix. Tu devrais écouter ça. Ouais, c'est plutôt facile. Donc là, il va falloir okay, Sokka. C'est parti. C'est un piège. Hugo. Mon boomerang contre la magie. Mon boomerang gagne. On récupère ça. Pas forcément très intéressant, mais toujours bon à récupérer au cas où. Je sais où aller. Donc hop, on peut ouvrir ça. Bon oui, ça ferme la porte, c'est pas très grave. Donc on est bloqué, cul de sac, du coup vous inquiétez pas. Ah. Un peu d'air, ça va aller. C'était facile. Problème, oui. Du coup. Donc ça a ouvert la porte. Ça, ça fait mal. Ça n'a pas vraiment d'importance. Du coup, donc. Je connais le chemin. Sokka. Mon boomerang contre la magie. Mon boomerang gagne. Si tu le dis. On va pouvoir ouvrir et on récupère le drapeau du village. Donc ça c'est fait. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir se barrer maintenant.
Du coup, rapporter un peu tout ce qu'on a récupéré. Tu l'as pas volé. Les choux, c'est un excellent goût. Ça doit faire mal. En même temps, c'est un mélange de mots. Ça c'est fait. Ça doit faire mal. Plus qu'à remonter. Donc ce cas est très pratique. C'est un coup qui permet d'attaquer plusieurs ennemis. Du coup, elle ne donne rien. Ça va bien? Du coup, et on s'en bat avec. On va s'occuper des plantes. Ça doit faire mal! C'est redonner la sérénité à mon village. Tu l'as pas volé. Voilà. Donc comme c'est béni, du coup. Et voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont pousser. Donc, vous pouvez voir, du coup, comment se dire. Vous allez voir qu'après, elles vont vraiment devenir. Ça va, d'ici quelques minutes, à devenir les arbres. Salut. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je vous remercie. Le jardin va retrouver sa beauté autrefois. Content d'avoir pu. Les autres symboles de votre peuple a disparu. Notre drapeau. Vous avez été tellement efficace ici, peut-être pourriez-vous encore m'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sous du feu l'a volé lorsqu'elle a attaqué. Oui, une demande de l'hectare là-bas. On l'a déjà. Donc oui, voilà. Le moulin c'est fait, donc voilà. Donc niveau quête, normalement il nous reste juste ces deux à faire. Non, c'est trois là. Et celui-là c'est avancé juste après avoir terminé tout ça. Donc voilà. Comme d'habitude, cette vidéo va terminer le chapitre. Parce que je suis tellement bien organisé. Est tellement bien préparé. Donc, voilà. Du coup, donc, je rappelle que comme du coup on a beaucoup d'argent avec la manière dont j'ai joué, du coup et fait les choses, du coup on a assez d'argent pour pouvoir réaliser cette quête. Donc voilà, on met 100 pièces. On remet 100 pièces. J'ai jamais ressenti une telle paix ici. Autrefois, il y avait un beau sanctuaire dans le sud. Mais la nation du feu l'a détruit. Et là, une pièce avatar. C'est moi. Bon, le troqueur écarlate, c'est fait. Je n'ai jamais ressenti une telle paix ici. Oui, le mec avec le métal pur, ici. J'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Quel est le problème? La statue, j'essaie de réparer, oui, c'est le monde. Donc, trouver du métal pur. Vraiment génial, voyons voir. Attends encore un instant. Ça y est, ça a marché. Merci, s'il te plaît, accepte ceci en gage de ma reconnaissance. Merci. Au revoir. Donc, le home âme vaillante. Donc, pour Sokka.
coup, hop, voilà, comme ça, c'est complet pour lui. Ah non, il manque son anneau âme vaillante en fait. Je viens de m'en rendre compte, mais j'ai pas son anneau âme vaillante. J'ai dû faire une erreur, quelque part. C'est bien possible, à moins qu'il en ait pas. J'aimerais que la guerre finisse. Mais juste ici, j'ai tout fait à 100%. Quelqu'un veut faire une petite partie de 4 nations ? J'ai dû faire une erreur. Donc, sans vouloir, j'ai dû mettre cette bague-là, alors qu'elle avait âme vaillante, sa bague âme vaillante. Sans vouloir, là, j'ai dû la vendre. Donc ça, c'est une boulette. C'est pas très grave. Regarde, un groupe d'oiseaux vole vers le temple de l'air. Oh non, ce ne sont pas des oiseaux. Je dois me rendre au temple de l'air. C'est bien d'énoncer les faits. Mais ouais, stockage, j'ai dû faire une bêtise. J'ai dû vendre sans vouloir sa bague. Et j'ai tout fait à 100%. Donc, voilà. Salut les enfants. Rebonjour. Ceci vous appartient. Tu as retrouvé notre drapeau. Tu n'imagines pas ce que cela représente pour moi et mon peuple. Merci. De rien. Il flottera de nouveau fièrement au-dessus de notre village. Accepte ceci en remerciement. Merci. À bientôt. Donc voilà. Ils ont leur drapeau. Ils sont tout contents. C'était peut-être l'avatar dans une autre vie. Une minute. C'est stupide. Donc, du coup, tout ça c'est fait. Donc, oui, c'est bon, tout est parfait, c'est exact. Voilà. Du coup, on va pouvoir. J'ignore pourquoi, mais les choses ont l'air différentes par ici. Même le jardin. On va aller au temple de l'air. Vous, vous restez là et vous protégez les villageois. Je m'occupe de stopper Lian. Pas question, Aang. C'est bien trop dangereux pour que tu affrontes ça tout seul. Aang peut affronter ça tout seul, Katara. Ces gens ont besoin de nous. Bon, je n'aime pas trop ça, mais ça paraît très logique. Promets-moi juste que tu vas être prudent. C'est un temple de l'air, et je suis un maître de l'air. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver ? Yip yip ! Donc, nous y voilà. Nous sommes tout seuls. Ne vous inquiétez pas, c'est pas problématique. Bon, normalement, si votre personnage a pris un casque bien arrivé, ça pose pas de problème. Avec surtout de bons équipements, ça passe encore mieux. Donc, on va récupérer le dernier coffre. C'était facile. Ça, c'est fait. Donc maintenant on va monter, récupérer le dernier coffre. Du coup. Ah oh, je n'ai plus d'énergie. Merde, ça va. Le problème de rang, c'est que niveau du chi, ça se dégage. Waouh, t'es fort. Il me faut plus de chi. Oh. Wow, t'es fort. Un gardien, c'est tout à fait. Hé, attention,
Ça, j'aime pas trop les affronter. Ils font tout de la même manière. C'est juste attaquer par dessus. C'est pas du jeu. Donc ça c'est casse-pied pour placer une attaque. Ils sont pas pratiqués à affronter. Je vais peut-être essayer maintenant. Les gardiens sont casse-pieds. Voilà. Du coup, j'ai pas mal pris cher. On va me lancer. Ça, ça fait mal. On ralentit, c'est bâtard. Du coup, donc le dernier coffre. Tu devrais contrer ça. Le dernier lot. Voilà. Mission accomplie pour l'avatar. L'objet du chapitre, on était trouvé. Donc voilà. Donc on va le mettre. Donc à partir de là, normalement, on n'a plus rien à, on n'a plus aucun lot à récupérer. Voilà. Du coup. Parce que c'était le dernier. Voilà. Du coup, il nous reste juste à atteindre le temple et à terminer ce chapitre. Du coup. Ça, ça fait mal. Ouais, je sais. Je vide pas mal mon chi très rapidement. C'est probable. J'ai l'habitude de leur première partie. Ça, ça fait mal. Voilà. Peut-être assez casse-couille. Ça, ça fait mal. Allez. Au niveau 19. La porte est bloquée. Peut-être qu'on manque l'escalier. Normalement, et de normalement dans la logique de l'univers Avatar, il est censé utiliser sa maîtrise de l'air pour ouvrir la porte. Du coup, mais bon. Apparemment, le mécanisme est bloqué. Que c'est des portes à maîtrise de l'air. Vous pouvez voir les deux trucs, ça sert à ça. Du coup. Donc peu importe le chemin que vous prenez, ça n'a pas d'importance.
Il n'y a rien à trouver, donc je vous rappelle. Du coup, je préfère vous le dire, ça va être perdre du temps. Vous allez juste atteindre le point. Lian. Ah, elle est terminée celle-là. Du coup. Mais elle se rend pas compte de son erreur. Hop. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous êtes prêts? Mais là, pareil avec Ang. Il n'y a rien à trouver. Donc, du coup, prenez pas votre temps. Enfin, sauf si vous faire un peu de l'autre. Du coup, donc ça c'est fait. Et là, vous pouvez voir, ça va être un peu bizarre pour vous. Mais la logique est assez simple quand on connaît bien l'univers. Du coup, donc vous pouvez voir que on a les différents symboles des éléments. Du coup, on va savoir qu'il y a différents passages. C'est à nous de trouver le mot. Du coup, donc on va examiner ça. C'est une suite de symboles élémentaires. Air, eau, terre, feu. Du coup. Donc voilà. On nous a donné tout simplement la suite à suivre. Simplement air, eau, terre, feu. Du coup, donc là on est le feu. On a commencé par le feu. Donc du coup, ce qui veut dire qu'on commence par l'air. Du coup, donc, hop, parce que c'est le chemin de l'air. Voilà. Air, eau. Donc on va prendre celui-là. Du coup, en fait, le principe c'est de suivre en fait la logique de réincarnation de l'avatar, du coup. Parce que c'est à chaque fois dans cet ordre-là que se réincarne l'avatar. Donc du coup, eau, attendez, excusez-moi. Oui, eau, terre, feu, air, à chaque fois. Toujours dans cet ordre-là. C'est jamais dans le désordre. C'est pour ça que l'avatar avant Aang, c'est un maître du feu. Korra c'est un maître de l'eau. Et que si un jour il y avait une nouvelle série animée Avatar, ça serait forcément un maître de la terre. Du coup. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça suit cette logique-là. Donc, quand on ne connaît pas, ça peut paraître bizarre. C'est le gardien. C'est casse-pied. Tu devrais contrer ça. Ouais. C'est très rare que je contre. Aïe. Eh, attention. Oui, bah aussi tape. Du coup, on y arrive. Les statues.
Donc ça paraît pas bien impressionnant, mais c'est une immense pièce de plusieurs étages, de milliers de statues. Du coup, voilà, c'est à l'animé, c'est montré. Pour vous dire. Donc, Je n'ai plus d'énergie. Ne t'inquiète pas, tu vas récupérer l'énergie. Il me faut plus de chi pour maîtriser les éléments. Problème réglé. Ah. Du coup. Donc c'est vrai qu'à première fois qu'on regarde ça, du coup, la pièce avec toutes les statues des anciens des avatars, on se pose la question, qui est le premier avatar? Ça, on ne le sait pas. Enfin, on l'apprendra... Il y a d'exceptionnel là-dedans, mon cher Momo. Bien, on ferait mieux d'aller voir où en sont les autres. Du coup. Dans Legend of Korra, c'est un temple de l'air. Et je suis un maître de l'air. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Deux. Yip yip. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Il va s'en sortir. Il est l'avatar. Essayons de nous trouver quelque chose à grignoter. Normalement, c'est dans la saison 2 qu'on apprend qui a été le premier avatar. Le tout premier qui a pu lancer du coup la lignée. Quelqu'un veut faire une petite partie de 4. Du coup. Donc voilà, donc il ne nous reste plus qu'un seul endroit à aller. Nation. C'est la zone du boss. Oh. Tout simplement. C'est la seule, c'est le seul endroit qui nous reste à aller. Pour finir à 100% cette vidéo. Enfin, ce chapitre. Évidemment, c'est pas la peine. Donc là on voit rien, ça t'a poussé, nous allons voir prochainement. Problème réglé. Par ici. Trop lent. Ça, c'est pour ma bouba. Donc là, Haru a utilisé le sabot mouvant. C'est trop facile. Yeah, on va gagner. Bon, le sabot mouvant, c'est mieux que le piège, parce qu'en fait, ça permet de ralentir plusieurs personnages, alors que le piège, c'est bien ça le problème. Pour la tribu de l'eau.
passe. Tu abandonnes ? Tu fais vraiment pas le poids. Voyons ce que tu vaux. Voilà. Ok. C'était court mais intense. Oh, les autres vont avoir besoin de notre aide, on dirait. Allez Momo, on doit vite retrouver Appa. Exactement. Pas de temps à perdre. Retrouvons Appa. Je vous aime pas. Voilà. Ça, ça fait mal. Ok. Du coup, retour au village. Vite, Appa, on doit tout de suite retourner au village. Les autres sont en danger. Yip, yip. C'est parti. On va attaquer la fin du chapitre et terminer tout ça. Alors c'est vrai que je parle pas beaucoup, mais en même temps j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire, en référence à la série, je peux pas vous en dire plus. J'ai pas grand chose à dire là, du coup, parce qu'il y a rien qui me vient. Sur le moment. Donc voilà, à part que vous pouvez maintenant retrouver les premières vidéos, la première vidéo de la légende de Korra sur ma chaîne. Donc, sur PS3. Du coup, pour ceux que ça intéresse. Donc entièrement sous-titré d'ailleurs et fait en difficile. Donc voilà. Du coup, voilà. Combat de boss. Le boss du chapitre. Vous allez voir, on va s'amuser. Parce qu'on avait affronté une machine du feu, une machine de l'eau. Et ben là, ça va être une nouvelle machine. Vous allez voir c'est laquelle.
une machine de la Terre. Mon Dieu. Croyez-moi, ça va être, c'est pas très compliqué. Je vous le certifie, c'est pas une machine très compliquée à affronter. C'est vraiment un peu. Je n'ai plus d'énergie. On va se mettre un peu de chi. Aïe, pas mal. Proche, s'éloigne, cible, et on attaque. Et voilà. La machine de l'eau était un peu plus difficile, mais voilà. Celle-là, trop facile. Qu'est-ce que c'est, Momo ? Mon vieux, ça sera pas si terrible. Donc voilà, fin de chapitre 100% comme d'habitude. Du coup, donc moi je vais devoir vous laisser ici en espérant que cette vidéo vous aura plu. Du coup, puisque normalement on arrive à la fin du jeu, donc ce sera normalement le dernier chapitre ou l'avant-dernier. Du coup, on verra. J'ai un bref souvenir, mais je sais qu'on arrive à la fin. Donc voilà. Donc je vais vous laisser ici et puis bah, je vous dis à mercredi prochain pour normalement soit l'avant-dernier, soit le dernier chapitre, on verra. Donc voilà, et puis bah, je vous dis simplement à la prochaine. Allez, salut !